Bonjour et bienvenue sur la page Job Attitude. Aujourd'hui, nous allons parler de votre CV. Nous allons parler de la rédaction d'un CV de manière stratégique et synthétique. À tout de suite pour la vidéo. Je me présente. Bonjour, je suis Andreas de Job Attitude. Il y a quelques années, je ne savais pas comment approcher un recruteur. J'ai postulé à une centaine de candidatures et mes candidatures étaient systématiquement rejetées. À chaque fois que je candidatais pour un poste, mes candidatures étaient rejetées. À un moment donné, je me suis demandé ce qu'attendait un recruteur d'un candidat, notamment lors de ma reconversion professionnelle. Il s'est avéré que j'ai fait des recherches concernant le domaine du recrutement, qui est un domaine qui me passionne. Donc j'ai mis en application tout ce que j'ai appris concernant le recrutement, car je me suis posé des questions à un moment donné. Je me suis demandé vraiment ce qu'attendait un recruteur d'un candidat. Donc toutes les astuces que j'ai apprises au fur et à mesure des années, ce sont des astuces que j'ai appliquées dans ma vie. Ce sont des astuces que j'ai fait appliquer à d'autres personnes et qui ont toujours fonctionné. Et ce que j'aime bien dans le domaine du recrutement, c'est que la base est toujours la même. Ça évolue au fur et à mesure des années, mais le fond reste le même. Qu'est-ce qu'un recrutement ? Un recrutement est une vente de soi-même. De toute cette expérience, toutes ces astuces que j'ai réussi à appliquer et que j'ai réussi à faire appliquer à mon entourage ou à des personnes que j'accompagne en privé pour leur recherche de recrutement, ont toujours été validées. Ces astuces ont toujours été appliquées et ces astuces fonctionnent. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de votre CV, de la rédaction d'un bon CV de manière stratégique et synthétique. Qu'est-ce qu'un CV ? Le CV est le miroir de votre vie professionnelle. Le CV est votre identité professionnelle. Je vais vous dévoiler trois astuces afin de construire votre CV de manière stratégique et synthétique. Astuce numéro 1. Facilitez la lecture au recruteur. Dites-vous que le recruteur regarde votre CV entre les lignes en quelques secondes. Facilitez la lecture du CV au recruteur. Astuce numéro 2. Votre CV doit être vendeur. Je m'explique. Vous devez soigner sa présentation afin qu'il soit agréable aux yeux du recruteur. Avec un contenu très attractif, un contenu percutant. Évitez de trop charger votre CV. Astuce numéro 3. Structurez votre CV sur une seule page. Vous structurez votre CV en mettant en avant les compétences liées au poste, les compétences que vous avez développées.